Quel gars, c'est Monsieur Jack, comme télé-vous, écoutez, pour ma part, ça va très 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 bien aujourd'hui, une nouvelle vidéo, et comme tu l'as vu, sur The Crew 2. Mais j'ai une petite info pour certains d'entre vous. Alors, c'est pas l'info que je suis devant une maison, il n'y a pas de porte, mais il y a de l'herbe dans la maison. Bon, enfin bref. Donc, petite info qui va être cool pour certains, elle s'adresse directement aux personnes qui ont toujours voulu tester The Crew 2. Les personnes qui ont toujours voulu tester The Crew 2, là c'est le moment. Ce week-end, donc du 13, donc je sais qu'on est le 14 quand vous allez voir cette vidéo-là, du 13 au 17 sur PS4 et Xbox, vous allez pouvoir tester The Crew 2 en intégralité, plus avoir l'accès au Demolition Derby. Là, c'est pas mal. Alors, je sais bien évidemment que j'ai, entre guillemets, beaucoup mal parlé dans une de mes dernières vidéos de The Crew 2. Mais comme je vous l'ai dit, depuis la mise à jour qu'il y a eu de Demolition, je rejoue dessus. Le jeu me plaît un tout petit peu plus qu'avant. Donc, si le jeu me plaît plus, je peux un peu, entre guillemets, vous le recommander. Et en plus, Noël arrive, le jeu est pas cher sur toutes les plateformes. Pour 19 euros, vous l'avez. L'édition de luxe, il me semble qu'elle doit être à 19 euros. Les gars, si vous pouvez le tester, le kiffer et l'acheter pas cher, honnêtement, moi c'est tout ce que je veux. Honnêtement, mon but pour moi, c'est de vous faire acheter des jeux pas chers. Peu importe la qualité plus ou moins du jeu. Vous voyez ce que je veux dire? Du moment que vous vous amusez, en plus c'est un jeu, vous avez la chance de pouvoir le tester avant. Donc, honnêtement, là mon but n'est pas d'être commercial envers un site ou quoi que ce soit, bien que Games Planet, qui est mon seul partenaire, m'a relayé l'info. Honnêtement, les gars, vous faites ce que vous voulez. Moi, je. C'est plus là, c'est vraiment pour les gens. Quand je vois, même à l'heure actuelle, sur mes anciennes vidéos, on me dit, est-ce que ça vaut le coup de prendre le jeu? Est-ce que ça vaut le coup de prendre le jeu? Et ceci et cela. Là, c'est le moment. Là, c'est le moment de jouer gratuitement à The Crew 2 tout un week-end. Et d'avoir en plus l'opportunité de tester le dernier DLC. Et après, par la suite, si tu l'aimes, tu peux acheter le jeu pas cher. Autant faire ça, les gars. Autant faire ça. Enfin bref. Donc voilà, c'était vraiment une info qu'en fait j'avais envie de relayer à mes abonnés. Alors, il y a simplement, je vais vérifier ça tout de suite. Tac, 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 sur PC. Alors, écoutez bien aussi cette info-là, donc sur PC. Du 13 au 16 minuit, par exemple, vous avez quelques heures en moins de. Alors pourquoi, je ne sais pas, mais voilà. De plus, il y a un petit cadeau, mais vraiment un tout petit cadeau. Donc je vous lis le passage. Outre, chaque machine, donc chaque support PS4, Xbox, PC, aura une voiture supplémentaire à récupérer à partir du 17 décembre. Donc c'est-à-dire que toutes les plateformes auront une voiture gratuite à la fin de la période d'essai gratuite. Pour la PS4, donc moi ça me concerne, une Maserati Gran Turismo, pardon, S. Sur Xbox, on aura une M4, une Z4, ouais, j'ai du mal, une Z4 GT3. Et sur PC, ça sera une Ford GT Touring. Voilà. Donc en plus de ça, on nous donne, entre guillemets, un accès gratuit, et en plus, on récupère une voiture gratuitement. Pourquoi pas? Pourquoi pas, les gars? Merde. Pourquoi pas? Moi, ça, honnêtement, ça me va. Vous savez que The Crew 2, je le porte pas dans mon cœur. Mais, justement, vous voyez l'inverse du côté commercial que j'ai, c'est que je vous propose un jeu. Je vous propose honnêtement un jeu, le tester, le jouer et l'acheter pas cher. C'est un jeu, honnêtement, c'est comme certains jeux comme Need for Speed, Forza, etc. Bah, Forza, c'est pas pareil, il y a une démo. Mais Need for Speed, il n'y a pas de démo. Need for Speed, il n'y a pas de démo. Donc c'est soit vous l'achetez, vous êtes déçu, ou tu l'achètes et t'es content. T'as pas trois solutions, en fait. T'as soit deux solutions. Là, le problème, le problème, c'est que tu peux avoir, entre guillemets, le jeu, tu peux le tester, ne pas l'aimer, ne pas l'acheter. Ou l'inverse, tu peux. Là, tout est parfait. Honnêtement, là, bravo. Bravo Ubisoft.
Bravo les développeurs de là-dessus, je peux vous tirer mon chapeau. Il n'y a pas de problème, je fais un peu n'importe quoi, c'est pour meubler un peu le gameplay les gars. Meubler les vidéos que je conduis un peu, etc. Mais vous voyez ce que je veux dire? Là, honnêtement, profitez-en. Profitez-en pour toutes les personnes qui me disent, parce qu'il y en a beaucoup qui me disent, est-ce que je dois prendre The Crew 2? J'ai envie de me prendre The Crew 2, mais je sais pas s'il est bien. Moi, je suis pas la bonne personne. Honnêtement, avec l'avis que j'ai donné sur YouTube, les gars, je suis pas la bonne personne pour vous dire, allez-y, prenez le jeu. Je suis plutôt du côté des personnes qui vont vous dire, écoute, moi j'ai pas aimé le jeu, mais là il est gratuit, teste-le. Tu vois ce que je veux dire? Et en plus, il y a du contenu gratuit au bout pour tout le monde, que ce soit les personnes qui ont déjà le jeu ou les personnes qui vont acheter le jeu par la suite. Honnêtement, foncez. Tous ceux qui veulent tester The Crew 2, que ce soit sur PC, que ce soit PS4, le jeu est disponible partout. Le jeu est disponible partout, donc profitez-en et amusez-vous. Après, je ne sais pas si certaines fonctionnalités seront débloquées. Je pense que bah, forcément, il y aura des choses qui seront peut-être verrouillées, comme les levels, etc. Je pense qu'il y aura un petit verrouillage, mais dans l'ensemble, tout est débloquable. Sauf, à mon avis, les levels comme on avait sur les bêtas avant que le jeu sorte, tout simplement. Mais voilà, moi honnêtement, depuis le DLC Demolition, je kiffe rejouer à The Crew 2. Alors, c'est pareil, je joue qu'au DLC, hein, parce que moi, vous le savez, j'adore tout ce qui est Destruction, Demolition, etc. Alors ça, c'était obligatoire. Je kiffe tout ça, donc voilà, j'aime ce DLC, mais je rejoue quand même à The Crew 2. Et que certains vont me dire comme quoi je suce Need for Speed. Need for Speed, ben ils m'ont jamais proposé ça. Et j'y joue moins depuis le DLC. Vous voyez? Mais je n'oublie pas, voilà, Need for Speed, mais je joue toujours, je joue aussi à The Crew 2. Et honnêtement, je pense que je vais terminer avec cette info-là. C'était plus une vidéo info hein, sur la façon. C'est que voilà, le DLC que vous voyez derrière, il est jouable gratuitement à partir de maintenant sur le PSN. Je vais vous montrer vite fait. Alors, vous allez ici, tac. Ensuite, vous faites ça. Hop. Popule. Alors, vous allez peut-être même pas y voir. Je suis un peu con sur le coup là. Donc, on reprend. Voilà. Donc, vous êtes ici, dans le Play Store, pour avoir The Crew 2 gratuitement pendant donc la période d'essai. Vous allez dans Populaire, ici, Essai gratuit, et là vous avez toutes les éditions. Donc bien sûr, l'édition standard c'est la seule que vous allez avoir gratuite, mais après c'est toutes les éditions que vous pouvez acheter à un prix, honnêtement, de toute façon je vais les afficher quelque part, les prix dérisoires. Et honnêtement, j'ai l'habitude de regarder là la cam, j'ai changé tout mon dispositif, donc bref. Donc là, vous pouvez avoir The Crew 2 pour vraiment pas grand-chose. Donc les gars, honnêtement, profitez-en. Profitez-en. C'est la seule chose que je peux vous dire. Faites-vous votre propre avis sur le jeu. Me demandez pas si mon avis par rapport à ça. En ce moment, j'y joue énormément, mais je joue surtout au DLC. Après, je n'ai pas été voir dans les autres styles de course, etc., pour voir si le jeu était bon. Avait changé. Je me suis vraiment attardé que sur le dernier DLC. Enfin bref. Dites-moi en tout cas si cette petite vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, ben, comme d'habitude, lâchez votre petit pouce bleu. Et surtout, dans l'espace commentaire, dites-moi si cette vidéo-là vous a informé. C'est la seule chose que j'aimerais savoir. Si cette vidéo-là vous a informé, moi c'est mon but. C'est mon but de vous faire partager les bons plans. Donc n'hésitez pas à parler dans l'espace commentaire. Quand à chaque fois je dis, à chaque fois je dis, je ne réponds pas, mais je lis beaucoup vos commentaires. Et des fois, bah, quand ça me prend, je réponds à tout le monde, et ça, vous en êtes témoin sur les dernières vidéos. Enfin, bref, j'espère qu'en tout cas, comme je vous l'ai dit, cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez votre plus beau pouce bleu. Je sais pas pourquoi je vous dis vous alors qu'à chaque fois c'est tu. Enfin, bref, et si t'es pas abonné à ma chaîne et que tu arrives sur ma chaîne grâce à cette vidéo là et que ma chaîne te plaît. Clique sur le petit bouton qui ira au milieu de ma tronche. Et puis voilà, c'était Monsieur Jack.